وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. De même, il est appelé le mois de la patience. Et il réunit dans le jeûne les trois catégories de patience. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter envers les interdits, c'est-à-dire il ne les brave pas. Et patienter face à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qu'Allah a destiné qui peut être douloureux. Il réunit entre ces trois patiences dans le moment du jeûne. C'est pour ça qu'il est appelé le mois de la patience. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.